Alors voilà, nous allons descendre là, grimper ici et redescendre jusqu'au trou et là faire demi-tour parce qu'il y a danger. On les a vu descendre, on me donnait envie. Oula, ah ouais. Il est où Michel? Le mec il m'a pas dit. Non mais là c'est ouvert après. Hein. Si, moi ma mère m'a dit que... Alors, tout t'as fait. J'avais dit jamais je ferais de spéléo, et bien me voilà embarqué dans une sacrée aventure. Aïe, tu vois que le gaz c'est important. Wow. Génial. C'est bon. Alors là, c'est vraiment une vraie grotte. Donc on vient de là et on va essayer de trouver des huîtres glaciaires. Jocelyne a l'air inquiète. J'ai l'air inquiète, bon non. Alors, est-ce qu'il faut que je me baisse parce que ça a passé comme ça? Non, là, ça passe pas, il faut que tu te baisses. La tête ne passe pas, Jocelyne, il faut te baisser. Ah, déjà, j'ai eu un accouchement difficile. Attends, vas-y. Ouais. Tu passes? Voilà. Non. Donc, là, ça sent l'huître. Ça sent l'huître à plein nez. Dans les endroits les plus humides, on voit que on peut trouver des huîtres. Ah oui, d'accord. Assez petites. Ah ouais. Tiens, Myriam, ramasse là. Voilà. Là, ah voilà. Ouais. Voilà. Elle est verte. Voilà, ça c'est l'huître du Magéria, l'huître à crochet. On voit le crochet ici, donc de moyenne montagne. Donc Pierrot, on va te montrer. On va te montrer ça. Voilà. On voit bien la couleur. La couleur de l'huître. Un peu verte. C'est vraiment exceptionnel. Les Bretons, vous devriez venir en Savoie goûter ça, quoi. Donc avec les huîtres, il y a forcément le blanc de Savoie. Ouais. Voilà. Yeah. Et donc, Jocelyne va goûter. Ouais. Va goûter une huître. Avec un coup de blanc. Ça va, elle est pas trop grosse. Allez, Jocelyne. Non, non, comme ça. Hein. Quoi? Voilà, comme ça, tu la mets à tes lèvres et tu t'aspires. Et puis tu la croques après. Merci. Aspire. Voilà. Tu croques, tu mâches, tu mâches. Alors, c'est vachement minéral. Ça, c'est bon. Et vous avez ouvert comment? C'est moi qui ai le couteau. Putain, ça, c'est bon. Alors, génial. Les huîtres sont super bonnes. Je connaissais pas ce coin. Mais vraiment, vraiment, je crois que c'est les meilleures huîtres alpestres donc, de la région, quoi.